Inoubliable et inégalable acteur, Robin Williams s'est suicidé le 11 août 2014 dans sa maison de Paradise Key en Californie. Il avait 63 ans. Il n'avait laissé aucune lettre à sa famille pour expliquer son geste. L'interprète de Peter Pan a été retrouvé pendu dans sa cuisine, et avait un poignet entaillé. Alors qu'on lui avait diagnostiqué la maladie de Parkinson, l'interprète de Madame Doubtfire souffrait en réalité de démence à corps de Lewy. Il s'agit du second type de démence progressive le plus courant après la maladie de Parkinson. Ce qu'il traversait ne correspondait pas à ce que de nombreux patients ont lorsqu'ils sont atteints de la maladie de Parkinson. Donc, je pense que c'était difficile pour lui. Il y avait des problèmes liés à ce qu'il ressentait et aussi d'un point de vue neurologique. Il ne se sentait pas bien. Il était très mal à l'aise, confié il y a quelques semaines à Williams. Son fils, dans le podcast de Genius Life. Âgé aujourd'hui de 38 ans, Zach Williams avait 31 ans lorsque Robin Williams est décédé. Le 21 juillet dernier, alors que l'acteur aurait dû fêter ses 70 ans, son fils lui avait adressé un émouvant hommage sur les réseaux sociaux. « Papa, à l'occasion de ce qui serait ton 70e anniversaire, je voudrais que tu saches que ton incroyable esprit vit en nous. Notre famille vous célébrera toi et ta mémoire aujourd'hui. Tu nous manques et nous t'aimons toujours », écrivait-il avec tristesse. Toujours aussi bouleversé par l'absence de son père, Zach Williams a partagé un portrait de ce dernier sur Twitter ce 11 août. Jour de l'anniversaire de sa mort. Papa, il y a 7 ans aujourd'hui, tu t'es éteint. La joie et l'inspiration que tu as apportée au monde se perpétuent dans ton héritage et dans ta famille. Chez tes amis et tes fans que tu aimais tant. Tu as vécu pour faire rire et aider les autres. Je célébrerai ta mémoire aujourd'hui. Je t'aime pour toujours, a écrit avec Zach Williams. Un hommage venu droit du cœur, qui a résonné dans celui des nombreux fans de Robin Williams.